Ça vous fait un petit Je crois enjeu que c'est sur le parti. match? C'est parti, Ouais. c'est parti. J'espère que j'aurai pas à changer les couleurs. Donc on a Skituyang en bleu. Est-ce Et que bah non, tu je... en as pas besoin de. Tu n'as pas besoin de Oh changer les là là couleurs, là donc là, c'est tu peux mettre les votes peinards là. incroyable. C'est Tu peux incroyable cette mettre les votes histoire. peinards. Donc on était sur du combien? 99? 99. 81 pour SK2Yang et 19% pour Korupkakak. Alors. Donc 81%, 19%. Alors, on a l'œil de top qui est lancé directement. Bah là sur toute l'équipe vu que tout le monde est paqué vu qu'on a la fameuse strat évidemment Overcast qui attends Overcast qui commence en premier. Non peut-être que je dis de la merde mais je sais pas dans mes souvenirs il me semblait qu'il était plutôt en genre avant-dernier après l'Iop un truc comme ça. Enfin Alors. avant l'Iop justement. Attendez je vais vérifier ça tout de suite de toute façon. Oui, désolé, désolé, j'étais en train de du coup de mettre les pourcents pour chaque équipe. Alors. Du coup. Ouais. Donc comme j'ai dit, Skituyang est obligé de rush en fait, puisque le Kra est très fort sur cette map. Ils sont obligés d'avancer et c'est ce qu'ils font. Le panda du coup qui a balancé toute son équipe vers l'avant. Tu peux enlever la barre des sorts par contre, Ah pardon. s'il te plaît. Enfin, je pense que c'est ça dont il parle parce que j'avoue que vous êtes pas très précis les gars. Non, non, c'était la barre de. C'était la timeline, c'était la timeline. Elle était en haut. Mais Ah, je tu suis en l'avais train mise en haut, de. d'accord, Ouais. ok. Je vais carrément l'enlever en fait. Non, non, mais tu peux. Là, c'est bien, hein, regarde, ça cache rien du tout. Hein. C'est juste que ça faisait un petit overlay bizarre. Là, tu peux le fermer, c'est bon, hein, Oui, nickel. mais non, mais de toute Moi, c'est. façon, je ne joue pas sur ce perso, donc bon, autant l'enlever. Oui, mais ça va te le changer pour tes autres persos en fait. Ah oui, c'est Et vrai. oui, parce que Dofus est si bien fait que en Ah ouais, fait tes c'est vrai, c'est raccourcis, vrai, c'est c'est vrai, pas en c'est fonction vrai. des comptes, hein. Enfin, c'est pas en fonction des persos, c'est en fonction des comptes, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, bon. On prépare la colère de Yop du côté de Devil. Devil d'ailleurs qui est en Chrome cette fois-ci. D'habitude il est plus en DD armure. Je pense que après c'est vrai que du côté de l'équipe Korupkakak, je crois que du côté de Scandalf et Yugovic, on joue plus terre ou air, je crois, au niveau Ouais. des dégâts. Donc c'est vrai que il peut, on va dire, focus un élément et être à presque 50% dedans, quoi. Ouais, là du coup toute la stratégie de Korupkakak, ça va être de maintenir la compo Esketuyang le plus loin possible, le plus longtemps possible. Et malheureusement ils se sont très bien placés Esketuyang parce que là on n'a pas les lignes de vue pour mettre des maladresses. Donc ils vont pouvoir progresser et gagner du terrain petit à petit. Clic droit pour retirer la barre. Ouais, tu peux normalement ça a été ajouté ça. Ok. Tu peux faire clic droit, il y Bon. a marqué afficher la barre de raccourci, tu peux l'enlever directement. Ok. Désinvoque du coup. Ok. Ouais, donc il doit être full air, hein, je pense. Zenu. Parce que on a déjà vu des Zenu qui high crit des fois n'arrivaient pas à finir la KWOT. Oh la maladresse qui fait très mal là. Hein. Yugovic qui se retrouve à 3 PM là actuellement. Hashirama, il a 12-10, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, je pense que Jay va peut-être reculer Yugovic. Non, il faut l'avancer, je pense, hein. Après, il a. Bah, le Ouais. problème c'est qu'il a qu'un PM et du coup. En fait là il faut essayer de contenir du coup Ah oui, cette si. Ouais, ça, c'est avancée. bien joué. Ah, quoi? Ok. Et Il vu s'est pas venir trompé, incandescente. là? Ok. Pourquoi pas? Ça se trouve, ils ont Étonnant. peut-être changé de. Ça se trouve, ils ont changé de strat, hein. Peut-être qu'ils sont en full feu, mais dans ce cas-là, c'est dommage pour eux, parce que Devil, il a pensé à tout. Hein. Regardez les restes de Devil en feu, il est à 40%. Ouais. Effectivement. Et même tu l'as fait, en vrai, il est à 35%. Bon, après, là, c'est vrai que. Avec les vulnés, ça sera pas la même. Qu'est-ce qu'on va tenter de faire, du coup? Le On va boost Crackler le qui n'a Yop. pas. Ouais. Ok, on va booster le Yop et le Crackler, c'est bien joué, ça. On met le Crackler sous crapaud. Après, malheureusement, pour le Ouais, bon, Crackler, il va pas pouvoir. y a Nossa en face, quoi. Bah oui, ouais, c'est. Ça rappelle un peu le 2v2. Alors, Ouais. maîtrise du bâton. Oh, ça, Ouh, ça c'est un petit joue au Rogers. Groblers. Oh. Ouh, ça crit bien, hein. Ça met des Ça bons crit dégâts, très là. très bien. Ouais, franchement, les vulnés là qui ont fait le taf aussi. Puis bon, on a crit, hein, donc ça aide aussi également. Il a fait Ouais. 3 crit. 4 crit d'affilée? Attends, j'ai pas 3, compris. 3, 3. 3 crit, ouais, pardon. C'est vrai que le Rogers, c'est assez aléatoire, hein, comme corps à corps.
On a balancé Loza du coup. Overcast, on va balancer aussi Devil. Ah ouais, c'est... Ouais. Ok, d'accord, ça joue beau jeu du côté de... Et en fait, ils ont pas trop le choix, hein, sur cette map. Ah non, c'est sûr. Yop contre Kra, pardon. C'est vrai que cette map est vraiment horrible pour eux. Oh, le Wasta, bien joué ça. Du coup, ils ont tellement bien joué, en vrai, cette équipe, parce qu'il est too young. Là, en fait, ils ont totalement annulé le fait que... Que Corrup avait l'avantage de la map, en fait. Là, ils l'ont totalement annulé avec ce... Bah, c'est un rush massif, en fait. C'est un débarquement. Ouais. Est-ce que les Corrup ont été envoyés? J'avoue que j'ai pas fait attention, je suis désolé. Non, pas encore. Alors, on va mettre... Ok. Pff, oh, David, il va pas être content, hein. Il va sortir des buffs, là. Ouais. À part si le dragonnet bug et décide d'aller plutôt enlever les buffs d'Overcast, mais j'y crois moyen, quand même. On va boost Scandalf, ça c'est bien joué. Il va bien debuff. Okay. Il aurait pu debuff le... Il y a un monde où il debuff le Crackler. Oui, c'est vrai ça. Ça aurait été terrible ça. Oh là là, en plus, David qui perd un PA. Oh, 2 PA. C'est pas mal là du côté Corrup. Ouais, juste avant en plus son tour, hein, donc là... Alors d'ailleurs c'est chiant parce que du coup, c'est quoi? C'est tour 5 du coup que la Coco va tomber? Il lâche maîtrise des bâtons. Attends, maîtrise des bâtons. Attends, mais c'est incroyable ce match! C'est incroyable, sérieux! Il est au champ manique, je crois! Champ manique, c'est exactement un champ manique. Il n'est pas FM. Bon, ouais, il est neutre. Il avait aucun buff, il avait pas la maîtrise, donc forcément les dégâts sont assez négligeables. Mais c'est vrai qu'il va falloir en tenir compte, c'est un très très bon corps à corps, le champ manique. Là, il faut savoir qu'en plus, regardez les raises insane de Scandalf en neutre. Du coup, le champ manique qui est pas très. Enfin, ça a pas été le meilleur choix actuellement. Et la Corrup qui sort, hein. Voilà. Bah, la première Corrup qui tombe sur Tulafel. Parce qu'en plus, Tulafel, hein. Oh la retraite anticipée en plus pour éviter de lui. Ah, ça par contre, est-ce que c'était vraiment très fort? Ouais, il a peut-être fallu le Pelfanto avant de retraite. Ça, du coup, on lui a rendu CPM à Devil Killian. Bah ouais, c'est un peu dommage. Et est-ce que tu. Ouais, je sais pas. Oh, ouais, d'accord, ok. Ah ça c'est bien joué. Ça, très bien joué. Ça c'est vraiment très bien joué. On a totalement mis le panda hors de jeu. En tout cas ce match qui pour l'instant tient ses promesses. Hein. Il se passe à chaque tour il se passe des trucs incroyables. Ah ouais c'est pas mal. Hein. Overcast qui du coup va retirer le crackler. Et là ils vont prendre des coups de Rogers mais comme vous en avez jamais vu avec une belle zone bâton. Ouais, surtout qu'en plus là, pour Overcast, c'est dommage parce que je pense dans sa tête, il s'est dit tiens, je vais pouvoir tu l'as fait au prochain tour. Bon là, il arrive quand même avec le son animal, donc c'est cool. Mais je pense qu'il aurait préféré mettre des coups de marteau parce que ouais. Je pense qu'il doit avoir ça actuellement. On l'a vu faire ouais, ça. Attention, oh là 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 là. Oui. Pas de C s'il vous plaît. Ah, oh, y a pas eu de C. Ça crit pas malheureusement. Enfin si, y a eu un crit. Y a eu un premier crit. Mais les autres n'ont pas crit. Après là, on voit que c'était nu. Il est pas bien les nuls là. Hein. Bah, en fait, le truc, c'est que je pense qu'il n'y aurait pas eu. Il n'y aurait pas eu les heals d'Overcast. Je pense qu'il était presque mort. Ouais, il aurait pris. Ouais. Gripsou qui a très bien joué quand même. Hein. Il a réussi à rejoindre. Coup, sans critique, ça c'est pas mal. Après, on redonne. Ah non, on redonne les PM à l'Ossa du coup. C'est pas si bien joué que ça. Ouais, c'est dommage ça. Après, je pense qu'il va taper, hein. Il est au Rogers lui aussi. Alors ça c'est inattendu hein. Oh là là mais attends mais tu l'as fait qu'il va peut-être y passer hein. Parce que regardez il joue après Scandalf. Et je vois mal Devil pouvoir faire quelque chose hein. À part peut-être là. Ouais tu peux Un T. Il va être bloqué là-bas. Après il a CPM hein, Devil Killio. Ouais, non, clairement, mais je veux dire, même il peut faire des roulages de pelle, dans tous les cas, Scandalf de l'autre bout, la cité là-bas. Ouais, il le tuera pas, roulage de pelle. Hein. Et il a 15 PA, hein, 15 PA, ça fait 4 roulages de pelle, suffit qu'il crit, avec les vulnés, en plus, il a moyen de le finir, moi, je pense. Hein. Ah, c'est pas faux, on va voir. Regarde, il a 1% de raise. Hein. Attention, ouais, on va plutôt taper. Ok, on va pour... Et un T du coup. Ils sont plutôt faibles, hein, ces dégâts, hein, actuellement. Alors, est-ce qu'effectivement, on va mettre des roulages de pelle? Est-ce qu'il n'y a pas eu un... Ouais. Tu vois, il le finit largement. Aïe. Oh. Ouais, bah oh, là, c'est bien joué. Alors là, voilà. C'est vraiment inattendu. Je pense que Corrup a prévu que Devil Killio... que SK2Young allait forcer le combat au corps à corps. Et du coup, ils se sont dit, on va tous jouer au bâton, les gars.
On va jouer avec des Rogers et mettre de full lune et feu. C'est vraiment très très bien joué. Ils ont totalement contré ce rush massif de SK to Young. Et c'est eux qui sécurisent le premier kill de la partie. D'autant plus que l'Ossa est pas trop bien en HP là, il est midlife face à cet Ossa. Il a pris aussi les coups de bâton de Jugovic. Et on continue à lui mettre des vulnérés. Ah, si on tombe cet Ossa, ça va être très compliqué pour SK to Young. Et moi j'en connais un dans le chat qui là qui il est pas bien. Ah bah, il y a moi aussi, hein, parce que j'ai mis... T'as mis j'ai 5000, mis 5000. Ah ouais, ouais, ouais. 5000. Oh là là là. Et du coup, ceux qui ont eu le nez, qui ont voté pour Corrup, alors là, ils vont se mettre Gucci pour la soirée. Bah, surtout vu la balance, là, actuellement. Ah là 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 là. Oh là là. Ah ouais, oh oui, c'est vrai. Non, mais la laisse, c'est effectivement... vrai que... Mais bon, l'Ossa est quand même bien entamé, là, hein. Parce que si l'Ossa tombe, les nuls le suivent, forcément. En plus, le problème qu'il y a du côté de ce qui est toujours, je trouve là, c'est que Overcast est premier dans l'initiative. Du coup, ça fait que tu l'as fait, là, ne joue pas avant 3 personnes du côté de... Du côté de... Bah, de tout simplement, Corrup et Cac. Après, je pense qu'on va vouloir quand même focus Overcast. Ah, oh, ça, c'est dommage. Bon, heureusement, c'est sur le tir puissant, c'est pas sur un coup de corps à corps. On peut le refaire si on a envie, d'ailleurs. On veut le tuer. On va te tuer. Ah, ouais, non. Oh, il a raison, hein. Franchement, faut. Le tir explose, on croirait en PVM là. Je pense que la flèche enflammée était plus intéressante. Hein. Bon, c'est un détail, mais il y avait potentiellement 20-30 dégâts de poussée en plus, vu que c'est c'est plus ou moins les mêmes dégâts. Oh, ça va être bien, je le sens de la part Gripsou là. Parce qu'en plus, c'est Okapi est le prochain à jouer. Hein. Donc là, il se retrouve à l'autre bout de la map et c'est pas un panda ou. Ou un Yop qui peut bon, enfin voilà, ou un Xelor, il peut pas. Capi, il a que ses PM de base pour pouvoir revenir, donc ça va être un peu plus complexe. Parce que le tonneau derrière, voilà, hop là, il lui fait une beuverie. C'est clair. Là, Capi, il va juste avancer, mettre des invocations. Voilà, il tacle le chauffeur. On rappelle, le chauffeur ne peut pas tacler, à moins que vous ayez 0 d'agi. Mm. Ça peut arriver, mais bon. M'étonnerait qu'il y ait des joueurs avec 0 d'agi dans ce tournoi, quand même, soyons sérieux. On va mettre... on fait ce qu'on peut, hein. Oh, il arrive quand même à trouver une petite ligne de vue avec la grille spectrale, la flamiche qui crit. Oh, c'est pas un tour pour rien, hein, quand même, hein. Ça met des petits dégâts sur Overcast qui est bien mal en point, maintenant. Et en plus, le dragon qui se rejoint à la fête. Et tout ça va totalement tomber. Alors Devil Killu qui du coup pour l'instant n'a pas su mettre son jeu en place, lui qui nous a habitué à ses dagues graisseuses, se retrouve avec un champ manique. Bah en fait je pense que le problème c'est même pas le champ manique là, c'est plus le fait qu'on a un champ manique neutre, alors que je sais pas si on regarde les raises du côté de Corrup Kakak, à part Hashirama, mais bon c'est un panda. Mais tout le monde a au moins 35% minimum hein, en neutre. Ouais, et du coup, voilà. Et on tombe, c'est ça. Et Lenu qui va le suivre, du coup, voilà. Et du coup, on a utilisé cette clé spirituelle, mais malheureusement, elle n'aura servi à rien, puisque Lenu n'a pas eu le temps de rejouer. Ah là 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 là. Franchement, c'était un beau match. Franchement, c'était incroyable. Il aura été très rapide également, celui-là. Alors, il y a la coco, ah là là. Mais le panda joue. J'espère qu'il est au courant quand même, hein, qu'il se rappelle qu'il y a la coco, parce que sinon, les nuits, il y passe totalement. Eh bien, je pense que... Ah, c'est bien joué, ça. Est-ce qu'il va... Il va balancer... Non, il va peut-être juste faire une... Bah, quoi? Pas peur de la coco. Ouais. Après, c'est vrai que Devil joue quand même dans un petit peu de temps, donc bon. Ouais, on va sûrement mettre une... Ah, on est... 1, 2, 3, 4... Si, il peut mettre l'XP. Ok. Donc, ouais, pas de colère pour ce Yop. C'est bien joué, c'est très très bien joué. Et on le disait, hein, avec Krapanda, c'est très compliqué de placer une colère. C'est voire impossible, tout simplement. Place glacée, je pense, pour finir. Non, on s'englante le...
Ouais, bon, alors ça, je pense que c'est pas forcément le meilleur move, hein, parce qu'on le sait, hein, voilà, le panda qui sait les buffs, Oui, la mais bon. cinglante, hein. C'est pas très grave. Oh! Par contre, ça va, ouais, c'est peut-être une erreur de la part de. D'avoir trop sous-estimé. Ah oui, mais non, mais attends, mais Grimmsou, il peut rien faire. Ah, quoique, si. En vrai, il fait des dégâts de zone, Scandale va forcément se TP sur le sac animé, et il va revenir au cac de Devil, donc dans tous les cas, je pense qu'on peut peut-être dire adieu à Scandale. Ouais. Ah, ça, c'est très mal joué, par contre. Ça vient de ruiner tous ces espoirs-là. Non, non, il a juste à se... Attends, ouais. Ben si, non, c'est Ah perdu, en oui. fait, là. Genre, là, il avait juste à laisser... Bon, voilà, au pire des cas, il y avait Capi derrière, mais... Mais je veux dire, là, il avait juste vraiment à laisser le sac animé au cac, Ouais, on attend. C'est vrai que c'était un move à tenter. On voit qu'on a de l'imagination côté Esketu Yang. bon. En fait, je pense, ce qu'il voulait faire, c'était Arachnocrit. Ça débuffe le Presspic, du coup, il ne se fait pas remplacer par le sac animé. Et ensuite, avec le croûtage, je crois, c'est ça? Après, bon, il a pas beaucoup de vie quand même, le Presspic, donc je sais pas s'il aurait tenu un croûtage. Mais du coup, il allait toucher le Scandalf, et ensuite, il avait. Il pouvait, du coup, faire TP Scandalf sur le sac animé derrière, je pense. Ouais, bon, bah, tout ce qu'on a pu faire, c'est ça, hein, du côté de Devil, malheureusement. On n'a même pas relancé la colère de Yop, du coup. Donc d'avoir mis une mutilation du coup alors qu'on aurait pu mettre deux coups de bâton. Bon, du coup on n'a plus rien à foutre à côté côté Corrup. Voilà, je pense C'est lui que qui ça sort va sa vraiment. petite Aztèque feu. Ah, en plus, on a le retour de la Corrup au prochain tour. Pour Corrup CAC-CAC. C'est la vulnérabilité. Pas On va le très balancer sur grave. le crash, je pense. Voilà. Cette map qui est horrible hein, pour se placer. Parce que sur les côtés, il y a des full bugs de cases là. Ouais, puis alors là, il est bloqué. Il est bloqué. Ah oui, d'accord. Ouais, Ah on oui. a un petit peu misplay côté Bon, après, ça Corrup. change pas grand-chose, Ouais, hein. bon, Je pense on n'est plus à ça près. Hein. Ce combat, il me semble bien plié. que. Je vois pas trop comment Gripsou et Devil peuvent s'en sortir là-dessus. Après, c'est vrai que, comme on l'a dit, hein, c'est un système de ligue avec des points. Plus vous avez de personnages vivants, plus vous gagnez de points. Donc, par exemple, si vous avez 4 personnages vivants, vous gagnez 8 points. Et après, ça descend 2 par 2. Donc, vous avez 3 personnages vivants, ça en fait 6 points, etc. Voilà. Jusqu'à 0, évidemment, quand vous perdez. Du coup, là, pour Esketu Yang, bah, on essaye tant bien que mal de tuer quelqu'un, au moins. Notamment Scandalf. Pour pouvoir deny 6 points à Corrup CAC-CAC, parce qu'on le rappelle, hein, qui sont juste derrière Oben et justement l'équipe Esketu Yang. Yang. Après, Donc. ils ont pas mal de matchs en retard. Corrup. Ouais. Ouais, bah non, pas tant que ça, hein. Bah, ils en ont un. Enfin, ils en avaient deux avant ce match sur. Attends. Non, non, je crois que tu confonds. Hein. Ah oui, non, ils en ont Je qu'un crois. de. Ils ont un match de retard sur Esketu Yang et sur Oben. Donc, Et du parce coup, que là, ça rééquilibre au final. alors là, ça rééquilibre sur Oben et pas sur Esketu Yang, forcément. Oui, non, c'est sûr. Mais ce qui est tout bien, de toute façon, il leur reste quoi à faire ils ont pas de match de prévu après, donc. C'est vrai que là, ça commence à mettre des matchs un peu de moins en moins souvent. Voire qu'ils semblent un petit peu moins disponibles que d'habitude. Mais bon, après, on est en semaine. Enfin, on est jeudi, mais bon. On est en semaine. Peut-être des matchs qui vont être programmés pour ce week-end. On espère, Ouais, bien sûr. évidemment, on vous tiendra informé. On essaie de casse dans tous les cas tous les matchs du Gengar Minotaur, donc Pour voilà, si l'instant, jamais. de notre côté, c'est un sans faute. On a vraiment réussi à rediffuser absolument, enfin à diffuser tous les matchs pour l'instant. Oui. C'est pas mal. Tous les matchs d'ailleurs qui sont disponibles sur la chaîne YouTube dans la playlist Gengar Minotaur. Les vidéos qui sont en train de sortir petit à petit. Vous avez des vidéos qui vont sortir 2 fois par jour jusqu'à mardi prochain. Donc là, il y a le round 1 qui vient de se terminer et il y a le round 2 du coup qui va commencer à sortir à partir de demain. Donc si jamais vous avez loupé des matchs, voilà, on a tout qui est en train de sortir petit à petit. Et Et si jamais, voilà, la chaîne YouTube si vous avez besoin.
Et nous sommes actuellement 101 viewers. Vous êtes 101 viewers à nous regarder. Ben, merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Et au revoir. Au revoir, David. Pour le Yop, ouais. Et eh bien, je pense qu'on va partir sur un sans faute. Tu écoutes Corep Cac-Cac. Ça va être un 4-0. Hein. 4-0, alors que vraiment, moi, je ne m'y attendais pas. Hein. Moi, je pensais vraiment que du côté des Skatouillons, on allait réussir à... moi, je pensais que ça allait être vraiment serré, mais que Skatouillons allait quand même gagner, genre sur un 3-0 ou un 2-0, tu vois, à la limite. Mais je pensais vraiment pas qu'ils allaient se faire 4-0. Ouais, Gripsou qui... pour l'honneur, va essayer de tuer quelqu'un, mais bon, c'est un panda. Non. Hein. Là, je vois pas qui peut tuer, absolument. Il y a que l'ennu qui est mal en HP, mais il est porté par le panda, donc forcément... Non, et puis en plus, vu les classes qu'il y a en face, genre, c'est impossible qu'il arrive... Ouais, c'est clair. Qu'il arrive à s'en sortir, ou ne serait-ce qu'à tuer quelqu'un, quoi. Regardez, le panda qui tient un Scandalf. Yugovic qui va pouvoir le RAL PM autant qu'il veut, et Capi d'ailleurs qui peut heal dans tous les cas Scandav s'il y a un problème. Bon, là il va pouvoir taper de toute façon. Et on va booster Yugovic derrière. Ouais, non, franchement, c'est une grosse perf. Maintenant, ouais, tu vois, vraiment... une tarte de voir Oben contre Corrupt Cac-Cac ou Oben contre SK to Young d'ailleurs. Ouais, effectivement. Ah, ce match qui a tenu toutes ses promesses. C'est franchement, ça a été surprise sur surprise. Hein. Ouais, c'était vraiment un petit peu one-sided le match, mais vraiment très sympa à suivre. Ouais, très très cool. Franchement, les God, non, c'est quoi, c'est Rogers? Ouais, c'est Rogers. Ouais, les Rogers qui sont tombés du côté du Kra et de Los Amodas. Plus une petite Aztèque FM. Ah, ouais, alors ça, c'est. Ouais, je sais pas ça, si c'était prévu ou si c'est une erreur, mais bon. Effectivement, quand vous êtes porté par un panda et que vous boostez, ben en fait vous boostez le panda forcément. Je pense que c'est une erreur parce que ben voilà, Scandalf est obligé de désinvoque pour pouvoir les taper. Il a la stack feu. Ouais, une belle stack feu du côté de cette nutrophe. On profite au maximum des vulnés du panda et c'est très très rare en PVP 4v4 de voir des teams feu. C'est plutôt des teams air ou des teams terre. Oh, et... attends, mais on a le et on a le petit anneau de classe. C'est l'anneau de classe, ouais. On a le petit anneau de classe pour ce panda qui peut mettre des vulnés feu à travers les obstacles. Ouais, et là, je crois qu'on va terminer Gripsou sur un crit. Voilà. Et c'est un GG. Et du coup, c'était un petit tot hein, pour courir de cac-cac. Comme a dit Capi. Et bah écoute, franchement, surpris, mais agréablement. Ah ouais, c'était incroyable. C'était un bon match. Ça,